Vous le savez, les Japonais ont la chance de pouvoir jouer à Pokken Fighter, un jeu de combat arcade avec des Pokémon. Et devinez ce qu'un joueur a découvert aujourd'hui. Kuroi Pokémon ? Sainte Marie, Mère de Dieu, Mega Mewtwo Obscur vient d'être dévoilé dans la troll la plus badass de l'histoire de Pokémon. Pendant les 2 minutes qui vont suivre, le joueur va tenter de battre ce monstre caché. Certes, en utilisant la technique fourme du spam en bordure d'écran, mais il n'y a pas de petite victoire. On ne sait rien de ce Pokémon. Sinon qu'il appartient à une mystérieuse dresseuse. Il ressemble à Mega Mewtwo X, mais il a aussi de nombreuses différences. Et son lien avec l'apparition de la nouvelle forme Break, apparue dans les jeux de cartes et l'animé, vous l'avez sûrement déjà vu, c'est cette forme Super Saiyan des Pokémon qui n'a pas encore été dévoilée dans les jeux. Ou peut-être ce Mega Mewtwo est une nouvelle forme spéciale pour les prochains jeux Pokémon à venir. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses annonces ont déjà été faites dans ce sens. L'arc Z de l'animé avec une nouvelle forme d'Amphinobi et de Zygarde, ou encore l'annonce de Pokémon Tetra Ultimate Z, un autre jeu d'arcade japonais à base de jetons à collectionner. Pokémon Z est sur toutes les lèvres, et on sent tous l'annonce imminente de cette suite de Pokémon X et Y. Plus crédible cependant, l'étrange apparition de cette séquence de gameplay, le jour d'Halloween. La couleur orange et violette assez caractéristique de cette fête ne vous aura pas échappé, pas plus que le côté terrifiant de ce Pokémon. Alors simple blague pour fêter Halloween, Shadow Boss bien badass pour ce jeu d'arcade, ou annonce discrète de grosses nouveautés pour Pokémon Z. Pour l'heure, je vous laisse avec cette fin de combat superbe. Merci d'avoir suivi cette petite actualité et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau Mewtwo. Pour l'heure, je vous dis ciao les amis!